Christian Mion, thank you very much for joining us today. I heard you talk yesterday about the different approaches countries are taking to mining in Africa. And I'm interested for the foreign investors, for the mining companies, this pressure in Africa for, you know, a more inclusive approach to exploiting the resources, a more sustainable approach. How does that square with what the mining companies themselves are looking for? Tout d'abord, la première chose qu'il est utile et important de me rappeler, c'est que, comme je l'ai dit hier, il est important de tordre le cou au fait que, dans un certain nombre de pays, compte tenu peut-être d'histoire, de passé un peu marxisant ou de la présence de l'ex-Union soviétique sur un certain nombre de pays, on a une conception encore de lutte de classe à certains moments. Le monde a évolué. Les compagnies minières, grandes ou petites, ont des ressources qui leur sont allouées par des actionnaires. Elles sont cotées. Elles ont des responsabilités sociales. Et pour toute une série de raisons, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas qui vont toutes dans le même sens, les compagnies ne sont pas les ennemis d'un gouvernement, ne sont pas les ennemis d'une population et doivent envisager une coopération et une entente à moyen ou à long terme avec l'ensemble des stakeholders pour être sûr que chacun, à la fin de la journée, y retrouve son compte et qu'on se retrouve dans des deals win-win. Par ailleurs, et si on se place d'un point de vue purement mercantile dans le cadre des sociétés, il est toujours beaucoup plus utile d'avoir, notamment, je vais prendre l'exemple de tout ce qui est fisheries, bétail, vegetables, etc. Il est toujours beaucoup plus utile d'avoir quelque chose qui vient de la région, d'abord parce que ça fait vivre l'ensemble des personnes qui sont tout autour, et ensuite pour un coût. Parce que si on se place, je vais prendre un exemple très concret, si on se place au Katanga et qu'on fait venir ces vivres d'Afrique du Sud, c'est un coût de transport, c'est un coût de dédouanement, ça a des coûts, comment dirais-je, sur l'environnement, et, par tout ce qui est les effets indirects du transport. Donc les entreprises ont tout intérêt aussi à minimiser leurs charges, tout en se donnant, et ça il ne faut pas être dupe là-dessus, tout en se donnant une bonne image de inclusiveness, social license to operate, et développement des communautés qui sont aujourd'hui des thèmes à la mode. Donc, quoi qu'il arrive, pour toute une série de raisons, les entreprises jouent aussi ce jeu-là et ont intérêt à, jouer ce jeu-là. Si on prend aujourd'hui des pays comme le Burkina Faso, le Mali, on se retrouve, de par leur passé géologique, avec des ingénieurs foreurs ou avec des géologues de très bonne qualité. Donc, ces personnes-là s'exportent aussi et sont du continent et s'exportent sur le continent. Donc je pense qu'il est extrêmement important d'avoir cette coopération, de voir l'environnement sous cet angle-là, parce qu'on va vers une open society où la communication va circuler à toute vitesse, et l'entreprise qui ne jouera pas les règles du jeu par rapport à cette nouvelle donne sociale ou cette nouvelle donne économique ou macroéconomique sera forcément indexée et encore plus indexée si d'autres le jouent à fond. Voilà un petit peu les éléments qui me semblent importants de mettre en exergue par rapport à ça, tout en ayant par ailleurs un développement éducationnel de plus en plus fort sur l'Afrique qui fait que il n'est pas forcément opportun d'aller chercher des ressources aux États-Unis, au Canada ou en Australie si vous pouvez trouver sur place ces ressources et à un coût, comme je le dis, beaucoup moindre. You mentioned, you know, the pressures of open society and you know, this is the world we're clearly moving into in an ever more rapid way. What difference does it make, both for governments and for the companies, that we're in a world where everyone is a publisher? They're tweeting, they're Facebooking, they're blogging. You know, what sort of demands is that making for sort of transparency and openness on the parts of both the companies and the governments in this realm?
Je vais illustrer votre propos par deux exemples très concrets. Il y a à peu près 5-6 ans, dans un pays un peu compliqué, il y a eu des troubles. L'armée est venue récupérer auprès d'une compagnie minière des véhicules 4x4. Le lendemain, en Australie, les titres de presse étaient « La société minière X coopère avec l'armée pour la répression des populations locales ». Voilà le titre qu'il y avait dans la presse. Alors que la réalité derrière, c'était que l'expatrié avait été obligé, sous la menace des armes, de remettre les clés de l'ensemble du parc de 4x4. Mais comme il n'avait pas eu le temps de communiquer, ou que comme les communications avaient été beaucoup plus rapides par les villageois ou par les personnes qui étaient poursuivies par l'armée, le lendemain, dans la presse australienne, les titres étaient contre la société, alors que c'était réellement un cas de force majeure. Deuxième sujet pour illustrer, le directeur financier d'une division très importante d'une grande compagnie minière m'a demandé un jour quelle va être l'influence des... quels sont pour vous les facteurs importants à prendre en considération dans l'avenir de l'Afrique. Et je lui ai répondu, effectivement, la vitesse de la circulation de l'information et l'accès de l'ensemble des gens à Twitter, Facebook, Internet, etc., etc. Alors, ça a plusieurs conséquences extrêmement immédiates. La première, c'est que les compagnies sont dans le cyclone, pas dans l'œil du cyclone, elles sont dans l'œil du cyclone aujourd'hui, mais elles vont être dans le cyclone immédiatement, dans la mesure où, dès qu'il va se passer quelque chose, les événements vont se répandre rapidement. Un exemple très concret, mes amis australiens, dès qu'ils ont appris l'existence de Ebola en Guinée, m'ont demandé comment ça se passait en Guinée. Voilà, donc c'est... Deux jours après l'information a commencé à circuler, des gens du Global Mining Team m'ont dit comment tu fais, comment tu opères, qu'est-ce qui se passe. Donc ça c'est un. Donc l'image du pays, et ça a été bien démontré hier, l'image du pays va être impactée par la vitesse de la circulation de l'information. Les compagnies vont être impactées si elles ne se comportent pas correctement. Et ça c'est un facteur correctif extrêmement important que l'on peut lier au premier sujet que j'ai repris. Le deuxième élément qui me semble fondamental, c'est que les gouvernements aujourd'hui vont être comptables de leur action à long terme. Et ce qui est très important, et ce que je regarde aujourd'hui, c'est comment les présidents, je dirais, les plus open-minded, les plus ouverts sur le monde, on a vu le cas du président Bongo, je vois le président de la République de Guinée aussi qui fait très attention à l'image qui est donnée, notamment en matière de corruption et surtout par rapport à la corruption. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui extrêmement importantes et qui circulent très vite. Donc par rapport à leur population, par rapport à l'image qu'ils donnent, il y a cette nouveauté de la circulation de l'information qui fait que vous pouvez être très rapidement indexé. Et quand vous êtes indexé de façon négative, c'est difficile de s'en défaire. Si vous googlisez quelqu'un qui a un mauvais article de presse contre lui, vous le retrouverez toujours parce que tout le monde va aller regarder. C'est l'espèce humaine, c'est l'essence humaine. Tout le monde va aller regarder ce qui est négatif plutôt que positif. Donc, même si vous voulez effacer ce que vous avez fait négatif, ça va toujours être remis en exergue en disant oui, mais même il y a 5 ans ou il y a 10 ans, il faisait ceci, il faisait cela. Donc c'est extrêmement important par rapport à la conduite à tenir et peut-être à la modération que l'on doit avoir sur un certain nombre d'actions. Voilà un petit peu ce qui me semble extrêmement important. Avec un corollaire, on constate aujourd'hui qu'un certain nombre de sociétés, essentiellement basées sur toute une série de techniques de recherche opérationnelle, sont en train de mettre en place des outils qui permettent de mesurer votre impact médiatique dans Facebook, etc. J'ai vu à Londres récemment toute une série de sociétés qui peuvent se permettre, avec des mots-clés, de regarder un petit peu comment un événement pour un gouvernement, pour une entreprise, est perçu par les populations locales, uniquement en ciblant les tweets, les SMS, les articles dans les news internet, etc. Et ça vous donne une tendance et ça vous donne aussi une manière de... Alors, je vais utiliser un mot fort, mais plus ou moins orienter votre communication afin de corriger, voire manipuler le message que vous voulez transmettre aux différents publics cibles. I think it's fascinating how
you know, these tools, Twitter, Facebook, you know, internet news, is changing this traditional industry, the impact it's had. It's really fascinating to hear about that. Thank you. Thanks.